Il arriva au mois de Kislev de la 20e année, alors que j'étais assis sur la ville forte. Hanan, l'un de mes frères vint de Juda, lui et quelques hommes. Et je les interrogeais au sujet des Juifs réchappés, le reste survivant de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me dirent, ceux qui sont restés de la captivité là-bas dans la province sont dans un grand malheur et dans la honte. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes ont été incendiées. 4. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai et je fus dans le deuil pendant plusieurs jours. Puis je jeûnai et priai en face de Dieu des cieux. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons manger ici après ça. Amen. Amen. L'ambassade a contribué $1 pour ceci. Et la diaspora nous a donné des sucrés et la tour de l'or. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux? Alléluia. Amen. Bon asifio. Amen. Kwa majina, mina ito Abad Kayumbu Davis. Ninjo presida wa kuminote kongolezi hapa Uganda. Ya kwanza nasema kwanza Paul Fête de l'Independance à tous. Nous avons fait un concert. Pour le cinquième jour prié aujourd'hui, au fond des papas, au fond, membres de votre communauté ici en tant que chrétien. Nakobanga et Lokote, Nakote les Mangui, pour papa Nangai, Azalinko Sina Yuda, elle est Lyon. Je suis héritier du...
aza mokonde Mikela mounyoso eza ya ye Likolo na se Yesue le président de tous les réfugiés congolais ici en Ouganda. La date de l'indépendance, le 30 juin, ça me rappelle quelque chose
là où nous étions d'abord colonisés par les Belges. Alors, par rapport au lutte des non-compatriotes Patrice Lumumba avec les autres, ils ont quand même fait la décision de nous faire quand même libérer dans cette colonisation. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici à l'église IPEC pour se rappeler encore par rapport à cette date et commémorer ça ensemble avec tous les Congolais qui sont ici, la diaspora, l'ambassade et tout consort. Nous sommes fiers de commémorer cette journée 58e anniversaire de notre indépendance du Congo. Pour ne pas aller trop loin, monsieur le journaliste, ça me rappelle quelque chose qui ne sont pas normales. Jusqu'à présent, nous sommes colonisés par rapport au pays étrangers, parce que ce pays-là amène la confusion dans notre pays pour nous faire diviser, et chaque jour il y a de la guerre, et c'est pourquoi les réfugiés sont ici à l'Ouganda. Et pour tous les pays du monde, l'Ouganda conserve plus de réfugiés, à peu près 100 000 réfugiés congolais, malheureusement que ça me donne quand même, nous en tant que les réfugiés, et la stress dans nos vies. En tout cas, je remercie beaucoup TV Malembe pour balancer et être à côté de tous les Congolais réfugiés ici en Kampala. Donc, votre travail est vraiment magnifique, et je vous souhaite encore de continuer de faire ce travail ici à Kampala, surtout pour les réfugiés congolais. Malembe TV, près de vous, à côté de vous, avec vous et pour vous, surtout derrière vous. Kombo nanga ndenge na komba ya Bahati Kalombo Davis. Ya bana zali president wa Communauté Congolaise na Uganda. Volume ya liboso na lobby nami na ba Congolais nyoso ya monde entier. Ya lobby vraiment bonne fête de l'indépendance. Malgré la situation eza na kati ya mboka na biso, na ebi kolomo ko nzambe akopesa kakimya na mboka na biso. Lelo na remercier mingi CCCU, na biso ya Uganda, communauté des chrétiens des Congolais vivant en Uganda. Donc on a remercié bango makasi na initiative ya Zoki lelo oyo akoloba ke jour ya lelo benza bapesa yango mpona kobondela mpona mboka na biso. Yango na remercié bango au nom ya la communauté, na lobby vraiment merci bato nyonso ndenge moni tozalaki na kati ya église mpona kosambela mpona mboka na biso. Na remercié bato nyonso bayaki. Nazo remercie baou bazala kite, nazo remercie lisusu bato bazo fete yango na minute oyo na bamboka différents pays. Mais nayebi kaka ke un jour nzambe akozongisela biso miel na biso, akozongisela biso miliki na biso na mboka na biso, pi makambo nyonso ekotambolaka malamu. Na yango na lobi en tant que président communauté congolaise, nayebi si bakongolais nyonso ya mokili mobimba biso moko tozala nano sécurité extérieure ya mboka na biso. Et puis, on a un peu de temps. 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 Merci. Merci. Nous vous rappelons, Ezali, président de la diaspora congolaise de Uganda. Un mot pour la Malembe TV au Yambio. Oh, ana kupenza na ibite na lobanimi kwa eza surprise penza kumona Malembe TV e kwa ipenza na tere. Voilà. Donge mkula lelo nanu na lobike eza special po na iba kite keto kuzwa ane kona biso wa journaliste ya Malembe TV. E pi to lobi penza toko soutenir bango toko lakisa bango meme misala tozo sala nakati ya mboka po va supporte ango ndenge toko supporte bango ono ya tutu la komunote na lobi merci na Malembe TV. Merci beaucoup. TV près de vous, à côté de vous, avec vous et pour vous. En face de vous, c'est le président de la communauté chrétienne congolaise que vous connaissez chaque fois. Il est habitué dans notre plateau. Président, vous n'êtes plus à présenter. Une question de curiosité, à chaque fois les Congolais, actuellement, ils sont là, ils courent, c'est toujours derrière Dieu. Une date comme celle-ci, c'est une date politique, mais on voit les gens à l'église prier Dieu. Est-ce que croyez-vous que Dieu peut faire tout à votre place ou comment? Nous ne croyons pas que Dieu peut faire tout à notre place, nous ne croyons pas à cela. Mais nous croyons que ce que la Bible dit, que celui qui bâtit une maison, s'il la bâtit sans Dieu, c'est en vain qu'il est en train de bâtir. Celui qui protège une ville,
Si tu protèges sans Dieu, c'est en vain que tu protèges la ville. Donc ça veut dire quoi? Nous pouvons bâtir, nous pouvons faire des choses, mais si Dieu n'est pas dans ce que nous faisons, c'est en vain que nous le faisons. Donc, même notre vie sur cette terre, c'est Dieu qui détermine cette vie. Cette vie est entre les mains de Dieu. Le Congo, c'est Dieu qui nous a donné ce pays. C'est Dieu qui a placé les minéraux, la richesse dans ce pays. Donc, toute la gloire doit d'abord revenir à Dieu. C'est lui le créateur. Et qui donne même le pouvoir d'acquérir les richesses. Donc, c'est ça un peu, monsieur le journaliste. Pour laquelle nous avons pensé que, même si c'est une date pour célébrer l'indépendance, qu'il y ait une indépendance politique, mais croyez aussi que c'est Dieu qui nous a donné des autorités. Les pères de l'indépendance, c'est Dieu qui les a amenés au Congo. Donc tout devrait se passer dans le cadre de la prière, continuer de demander à ce Dieu-là de continuer de soutenir notre pays. Je sais que vous êtes fatigué, je n'ai pas le temps de vous prendre à beaucoup de questions, mais quel est votre sentiment ou votre analyse par rapport aux gens qui disent « tout pouvoir vient de Dieu, mais tout pouvoir n'est pas de Dieu » ? Ils ont raison, parce que c'est Dieu qui permet. Même dans la Bible, il y a eu par moments de mauvais rois. Mais Dieu permettait cela qu'il soit là. Ce pouvoir n'était pas de Dieu. Ne faisait aucune gloire à Dieu. Mais Dieu avait permis qu'il soit là pour ce temps-là. Peut-être par rapport au péché que le peuple a commis et il permet qu'il soit corrigé à travers un leader, un mauvais leader, le cas de Saül. Donc ça peut arriver. Donc continuons toujours de bénir cette télévision. Malembe TV. Elle est toujours avec nous, elle est toujours à côté de nous, elle est toujours près de nous, devant et derrière nous, et nous sommes aussi avec Malembe TV. Très bien. Que Dieu vous bénisse partout dans le monde, nous souhaitons à tous les Congolais une bonne fête d'indépendance. Je l'ai dit dans mon discours, même le peuple juif, quand ils ont été libérés de l'Égypte, il y avait la promesse de la terre promise, mais il a fallu 40 ans pour y arriver. Nous sommes encore dans le désert. Mais Dieu va nous aider. Un jour, les miens couleront en RDC. Amen. Amen. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de la République démocratique du Congo, ici en Ouganda. Vous avez un message, un bref message pour cette grande date. Et vous êtes ici à l'église, vous êtes venu prier. Vous reconnaissez Dieu et vous savez que c'est seul Dieu qui peut faire quelque chose de mieux dans notre pays. Un mot seulement. Dieu peut faire quelque chose, c'est bon. Mais le peuple congolais aussi doit s'engager dans l'unité, dans le sacrifice. Et nous appelons surtout le peuple de la diaspora à s'unir, à être animé par le sentiment de patriotisme et de nationalisme, pour que nous puissions ne pas trahir le Congo, que nous soyons animés des mêmes sentiments que les pionniers de l'indépendance qui ont sacrifié même de leur vie pour qu'aujourd'hui nous soyons indépendants. J'avais une question de curiosité, monsieur l'ambassadeur. Vous parlez souvent de Lumumba, mais apparemment vous oubliez Kasavubu. Est-ce qu'il n'était pas parmi ou comment? Non, nous ne l'oublions pas. Nous n'oublions pas Kasavubu, nous n'oublions pas Bolikango, les Mongokoulis. Mais Lumumba, c'est l'homme qui a parlé de l'indépendance immédiate. Merci beaucoup, très chaîne Malembe TV, près de vous, à côté de vous, avec vous et pour vous. Et c'était l'ambassadeur de la République démocratique du Congo dans la ville de Kampala. Que Dieu vous bénisse.